C'est un club qui a été créé à l'initiative de la ville de Chimay et de Couvain. Nous organisons depuis 1969 des rallyes, des courses de côte, des sprints, des slaloms. Et donc ici, on assiste au 29e sprint de la principauté de Chimay. Et on a aussi le plaisir de présenter environ 150 voitures de tout type. Nous avons 98 pilotes provinciaux inscrits et 47 pilotes nationaux. C'est à l'heure actuelle le plus beau plateau qui a été présenté en Belgique depuis le début de la saison. Et nous ne sommes pas peu fiers. Ici pour l'instant ça va bien, il fait bon, on a de l'adhérence, c'est cool. Là, je suis venu quand même pour essayer de sortir un peu du lot, maintenant au départ c'était plus pour m'amuser quoi, mais maintenant que je suis là je vais quand même essayer de me concentrer un peu plus qu'au matin. À la base c'est une Sirocco qu'on a toute démontée en 97 qu'elle a été faite. Les moteurs, boîtes, tout est amélioré quoi. Elle fait à peu près 220 chevaux pour 781 kg, je crois. Donc ça va quoi. C'est pas... Maintenant, il y a mieux, mais c'est déjà pas mal. Je vais dire, avec la boîte qu'il y a maintenant dessus, elle doit faire 178 km/h, pas plus. Le but, c'est d'y être assez rapidement quoi. Ici, ça prend 8200 tours quoi. Donc sur chaque rapport. D'une chose, j'ai eu des ennuis depuis le matin, c'est la deuxième chose. J'ai éclaté un pneu à ma remorque, donc tout va très bien. Quoi, donc ça fait partie des aléas du sport automobile. Là. C'est un sprint qui est repris donc, dans les courses de côte pour le championnat de Belgique. Ça n'est pas très adéquat, disons, pour, en ce qui concerne ma voiture. C'est plutôt une voiture pour des parcours sinueux, techniques. Ici, moi je suis limité, j'ai une boîte courte, donc un pont autobloquant. Je suis limité à 174 km/h. J'y arrive très vite et les reprises sont foudroyantes. Il y a deux ans, j'ai roulé justement sur ce circuit-ci à Chimay. Et je suis parvenu avec une voiture un peu moins puissante à mettre une seconde à mon vieux père. Mais ça a été de courte durée vu qu'au troisième essai, j'ai fait un tête à queue sur un vibreur. Et comme on sait bien ici, les vibreurs sont très méchants, j'ai fait un tonneau. Donc ça s'est mal terminé. Mais bon, ça recommencera un jour, ça c'est sûr.